voici Maman Pig. Et voici Papa Pig. L'anniversaire de Georges. Aujourd'hui, Georges a son anniversaire. Il est encore très tôt. Georges, laisse-moi dormir. Dinosaure. Retourne te coucher. On dirait que quelqu'un s'est levé de bon matin. Joyeux anniversaire, Georges. Georges m'a réveillé. Tu avais aussi réveillé tout le monde le jour de ton anniversaire. Ce n'est pas pareil, c'était mon anniversaire. Et aujourd'hui, c'est Georges qui a le sien. Bon anniversaire, Georges. Voici ton cadeau, Georges. Dinosaure. J'étais sûre et certaine que ça avait à voir avec un dinosaure. Appuie sur son ventre. Mais c'est effrayant. Georges, moi je t'ai fait une jolie carte. Devine ce que j'ai dessiné dessus. Georges n'arrive pas à deviner. Au début, j'avais pensé à une belle fleur. Georges n'aime pas les fleurs. Finalement, je t'ai peint un dinosaure. Quel magnifique dessin, Peppa. Je sais, je dois dire que je suis assez douée. Maintenant, nous allons aller à un endroit très spécial où il y aura un autre cadeau. Youpi! Allez, en route! Où est-ce qu'on va, maman? Tu verras. La famille Pig part pour aller là où le cadeau de Georges se trouve. Dis, papa, est-ce qu'on va aussi? Non, mais je suis sûre que vous aimerez autant. On va au cinéma? Non, c'est beaucoup mieux que le cinéma. Alors je ne trouve pas. Où peuvent-ils donc aller? On y est. La famille Pig se trouve devant le musée. Qu'est-ce qu'on vient faire dans le musée? Suis-moi et tu verras. Quel peut bien être le cadeau de Georges? Georges, veux-tu bien me dire ce que tu aimes le plus au monde? Dinosaure. Dinosaure. Wow. Le cadeau de Georges est une visite de la salle des dinosaures du musée. Ah, ce n'est pas vrai, encore des dinosaures. Dinosaure. N'aie pas peur, Georges. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Oui, c'est juste un robot. Regarde, je me place à cet endroit et... Et maintenant, il y a une autre surprise. Tous les amis de Georges et Peppa sont là. Surprise! Madame Rabbit a préparé un gâteau d'anniversaire. Qui peut deviner la forme du gâteau que j'ai fait? C'est sûrement un dinosaure. C'est ça! C'est épatant, bravo Peppa! Bon anniversaire, Georges! Il reste encore une surprise, suivez-moi. Quelle est cette dernière surprise? Tu crois que c'est quoi la surprise, Peppa? Je parie que c'est encore un truc qui a à voir avec des dinosaures. Oh, c'est quoi ça? Si je te dis que je dois le remplir d'air. Oh, je sais, c'est un château gonflable. Peppa adore les châteaux gonflables. Mais si c'est pour Georges, pourquoi ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec des dinosaures? Mais c'est un dinosaure. Un dinosaure gonflable. Youpi! Georges adore les dinosaures gonflables. Tout le monde adore les dinosaures gonflables. Comme c'est chouette! Bon anniversaire, Georges! La vente de charité. Il pleut aujourd'hui et le toit de l'école est percé.
Les enfants, nous allons organiser une vente de charité. Et l'argent récolté nous aidera à payer un nouveau toit. Hourra! Je vais demander à chacun d'entre vous d'apporter quelque chose. Quoi, par exemple? Vous pouvez donner un vieux jouet ou quelque chose que vous n'utilisez plus. Miaou. Les parents sont venus rechercher leurs enfants. Au revoir. Et surtout, n'oubliez pas vos vieux jouets pour la vente de charité de demain. Peppa cherche un jouet à donner pour la vente de charité. Peppa, que vas-tu donner? Tu sais, tu ne dois choisir qu'un seul jouet. C'est vrai? Et comme ça, tu vas aider l'école à payer un nouveau toit. D'accord. Je vais donner... Monsieur Dinosaure. Monsieur Dinosaure est le jouet préféré de Georges. Peppa, tu ne peux pas donner Monsieur Dinosaure. Ah non? Non. Oh mince, pardon Georges. Dinosaure. Tu peux donner ton vieux petit diable. D'accord, maintenant c'est à toi de choisir. Oh. On doit tous donner quelque chose pour la vente. Moi je donne ce chapeau. Et Georges va donner son ballon. Et qu'est-ce que papa va donner? Je sais, la télévision! Pas la télévision. C'est vrai, elle est trop utile. Je sais! Les pantoufles qui sentent mauvais. Non, elles sentent trop mauvais. Ah, je sais, le vieux fauteuil de papa. Mais c'est un meuble ancien. Ça veut dire quoi, ancien? Quelque chose d'ancien, c'est quelque chose qui a de la valeur. Tu as trouvé ce fauteuil dans une vieille décharge? Il ne vaut rien du tout. Il vaudra beaucoup d'argent une fois que je l'aurai réparé. Tu sais, Papa Pig, ça fait des années que tu dis ça. J'ai trouvé. Je vais donner ces ravissantes chaussettes que Mamie Pig m'a offertes. Bien. Je viens chercher vos objets pour la vente de charité. Les voici. Merci. Dites, vous ne voudriez pas emporter ce vieux fauteuil? Oh, comme vous êtes généreuse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Maman, pourquoi tu as donné le vieux fauteuil de papa, hein? Chut, ne lui dis pas, il ne remarquera rien. C'est le jour de la vente de charité. Bonjour. Bonjour, Madame Rabbit. Peppa, veux-tu le fauteuil? Il est assez abîmé, mais tu pourrais le scier et en faire du feu. Mais c'est un meuble ancien. Ah bon? Oui, papa dit qu'il vaut beaucoup d'argent. Oh, eh bien ça alors, je ferais mieux d'augmenter le prix. Au revoir. Bonjour tout le monde. Bonjour Peppa. Qu'est-ce que tu as donné, Suzy? J'ai donné ma tenue d'infirmière. Et moi, j'ai donné mon ballon. Moi, j'ai donné mon singe. Oh, mon diable va beaucoup me manquer. J'aimerais acheter le petit diable, s'il vous plaît. Et moi, j'aimerais acheter cette tenue d'infirmière. Et moi, le ballon. Maman, maman, regarde ce que j'ai acheté. Tous vos vieux jouets. Ils nous manquaient. Regardez-moi ça. J'ai acheté ce fauteuil ancien. Oh, Papa Pig, ce fauteuil n'est pas ancien. Mais si, Madame Rabbit me l'a dit. Oh, il ira bien avec le mien. Oui, papa, c'est parce que... Chut, Peppa. C'est parce que c'est le tien. Hein? Madame Rabbit vient de me prendre beaucoup d'argent pour ce fauteuil. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Nous venons de récolter tout l'argent dont nous avons besoin pour un tout nouveau toit. Hourra! Merci beaucoup, Papa Pig. Oh, 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 il n'y a vraiment pas de quoi. Les petites bêtes. Peppa et Georges aident Papy Pig à cueillir des légumes. Peppa, voilà une belle laitue. Merci, papy. Oh, c'est quoi ça? Berk, regarde, papy, il y a un horrible monstre sur la laitue. Monstre. Oh, oh, ce n'est pas un monstre, c'est un escargot. Oh, où est-il? Il se cache dans sa coquille. C'est là qu'il habite?
Oui, c'est sa maison. Regarde, il réapparaît. Bonjour, Monsieur Escargot. Papy, est-ce que Monsieur Escargot a un lit dans sa maison? Non, Peppa. Si j'étais un escargot, j'aurais un lit et une table et une chaise et un frigo et une télévision. Papy, qu'est-ce que les escargots mangent? Eh bien, la plupart du temps, ils mangent mes légumes. Hé là, arrête, petit coquin. Papy, Georges et moi, on aimerait bien jouer aux escargots coquins. Ces corbeilles vous serviront de coquilles. Bien, comme ça, on dirait de vrais escargots coquins. Je suis un escargot coquin et je vais manger toutes tes salades. Ne touchez pas à mes belles laitues, petits escargots coquins. Non. Et quand Papy Pig crie après moi, je me cache dans ma petite maison. Tous les amis de Peppa arrivent. Bonjour, Papy Pig. Bonjour, Suzy. Êtes-vous venu jusqu'ici pour jouer avec Peppa et Georges? Oui. Eh bien, je ne sais pas où ils sont. Ici, il n'y a que moi et ces deux escargots. Nous sommes des escargots coquins. Nous sommes des escargots coquins. Surprise! Georges et moi, on jouait aux escargots coquins. Mais on veut aussi être des escargots. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas assez de corbeilles pour vous tous. Oh. Mais vous pouvez être quelque chose d'autre qui vit dans le jardin et qui est très intéressant. Une carotte? Rebecca Rabbit adore les carottes. Non, Rebecca, pas une carotte. Suivez-moi donc. C'est quoi qui bourdonne? Ça vient de la petite maison. Papy, c'est quoi ces bourdonnements qui viennent de la maison de poupée? Ce n'est pas une maison de poupée, Peppa. C'est la maison des abeilles et ça s'appelle une ruche. Oh! Regardez, en voilà une. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle récolte le nectar de la fleur. Et ensuite, elle retourne à la ruche pour le transformer en miel. J'adore le miel. Si on jouait tous aux abeilles. Bzz, bzz, bzz. Oui, on est des abeilles. Bzz, bzz, bzz. Bzz, bzz, bzz. Oh, vous êtes des abeilles occupées. Oui, nous sommes occupées. Maintenant, nous devons retourner à la ruche pour faire du miel. Ça alors, que se passe-t-il ici? Mamie, nous sommes des abeilles. Ah, est-ce que les abeilles veulent manger du pain grillé? Oh oui! Et qu'aimeriez-vous avoir dessus? Du miel! Ça tombe bien, j'ai justement préparé du pain avec du miel. Youpi! J'aime bien être une abeille parce qu'elle mange beaucoup de délicieux miel. J'aime être un escargot parce qu'il mange toutes les salades de papy. Oh! 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 Petite coquine! L'île aux pirates. Papy Pig emmène Peppa et ses amis faire un tour en bateau. Tout le monde à bord? Oui, oui, capitaine Papy. Pleine voile. À plus tard. À plus tard. Peppa et ses amis portent un gilet de sauvetage. Georges, veux-tu porter mon chapeau de pirate? Aujourd'hui, nous allons naviguer jusqu'à la fameuse île aux pirates. Ouh. Si nous avons de la chance, nous trouverons peut-être un trésor enfoui. Wow. L'île aux pirates a l'air d'être passionnante. Terre en vue! On y est! Sur l'île aux pirates! Youpi! Qu'est-ce que c'est? C'est un
un détecteur de métaux. Il détecte les trésors enfouis. Wow! Papy Pig utilise le détecteur de métaux pour trouver un trésor enfoui. Ah! L'appareil a détecté quelque chose. Déterrons-le. C'est une petite pièce. C'est un trésor. Ouais! Trouvons-en d'autres. Ah ah, nous avons détecté autre chose. Ça a l'air énorme. Nom d'un cochon. Ce trésor-ci est vraiment lourd. Oh non, ce n'est pas un trésor enfoui. C'est un vieux chariot tout rouillé. Oh. Restons-en là avec la chasse au trésor. Qui veut construire un énorme château de sable? Moi, 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 moi. C'est une excellente idée, Mamie Pig. J'ai des choses à faire sur le bateau. Mamie Pig aide les enfants à construire un énorme château de sable, tandis que Papy Pig s'occupe de choses importantes sur le bateau. Ah, comme c'est agréable. Je ferai bien un petit somme, juste quelques minutes. Mamie Pig et les enfants construisent un énorme château. Ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de sable. Ils utilisent les seaux pour faire les tours. Quel magnifique château! On rentre! Oh! Où est le bateau? La mamie! Oh non! Papy Pig est profondément endormi et le bateau va à la dérive. Il faut absolument le réveiller. Criez aussi fort que vous pouvez. Papy Pig, debout! Debout! Ouh là là, Papy Pig dort toujours. Papy Pig est trop loin, il ne nous entend pas. On va rester coincé sur l'île aux pirates. Nous sommes des naufragés. Mais... nous allons rester ici pendant des siècles. Nous allons tous devoir nous nourrir de fruits sauvages et de baies. On va aussi devoir manger des limaces et des insectes. Les parents sont venus rechercher leurs enfants. Où suis-je donc? C'est nous. Bonjour tout le monde. Alors, c'était bien? Oui, mais en fait, j'ai oublié quelque chose, alors je dois repartir. Je reviens! Oh! C'est Papy Pig! Nous sommes sauvés! Hourra! Bienvenue à bord, moussaillon! Vilain Papy Pig! On pensait que tu ne reviendrais plus! Je suis désolé, Mamie Pig. Je te promets que je ne m'endormirai plus jamais. Au revoir, l'île aux pirates. À très bientôt. J'adore l'île aux pirates. Est-ce qu'on y retournera? Bien sûr qu'on y retournera, Peppa. Hourra! Les voyages en montgolfière. Aujourd'hui, c'est la fête de l'école. Madame Rabbit s'occupe de la tombola. Par ici, par ici. Le premier prix est un magnifique voyage dans ma montgolfière. Waouh, ça a l'air chouette. Je peux avoir un ticket, madame? Le ticket bleu équivaut à une voiture. Bravo, Dani. Je peux avoir un ticket, madame? Mais oui, Peppa. Qu'aimerais-tu remporter? Le voyage en ballon. Ne serait-ce pas mieux de gagner un gâteau au chocolat fait maison? Papa Pig adore les gâteaux au chocolat fait maison. Le ticket rouge équivaut à un voyage en ballon. Embarquement pour le voyage. Combien y a-t-il de passagers? Nous sommes quatre. Et Teddy, dinosaure. Oh, avec Teddy et dinosaure, ça fait 6. À bord. Dépêchez-vous, Papa Pig. Oui, papa. Empissez le câble, ôtez le chômage et c'est parti. Ça alors, vous m'impressionnez. Vous devez être une véritable experte. Oh, pas du tout. À vrai dire, c'est la première fois que je dirige un ballon. Oh. Tenez-vous. Madame Rabbit chauffe l'air se trouvant dans l'enveloppe de la montgolfière pour la faire monter dans le ciel. Au revoir. Au revoir.
revoir. Est-ce que quelqu'un veut s'occuper de lire la carte? Oui, moi. Es-tu sûr, Papa Pig? Oui, je suis très doué pour lire les cartes. Oh, cette carte est assez compliquée. Voulez-vous aller plus haut? Oui, plus haut, plus haut. La montgolfière s'élève dans le ciel. Oh, le ciel a disparu. Ne t'en fais pas, Peppa. Nous volons juste à travers un nuage. Ouh. Wow. Le ciel est revenu. Youpi. Montgolfière, montgolfière, bien plus grosse que la terre. Elle dépasse les nuages, elle vole, vole, vole. Oh, regarde, on vole très très haut. Peppa, ne laisse pas tomber ton... Teddy, j'ai laissé tomber Teddy. Ne t'en fais pas, on va sauver Teddy, que tout le monde s'accroche. Nous descendons! Madame Rabbit fait descendre la montgolfière pour aller secourir Teddy. Je ne vois Teddy nulle part. Il est là! Il est coincé dans l'arbre! Je vais utiliser cette ancre pour tenter de l'attraper. Doucement, doucement... Et voilà, Papa Pig a sauvé Teddy. Teddy! Youpi! Oh non! La montgolfière se dirige droit vers un arbre. On vole droit sur un arbre. Attention. Oh, Teddy a d'abord été coincé dans un arbre et maintenant c'est nous qui sommes coincés dans un arbre. Papa Pig, savez-vous où nous sommes? On est perdus, c'est ça? C'est ça. Oh. Oh mais regardez, c'est la maison de mamie et papy. Tu as raison. Nous avons atterri dans le jardin de Papy Pig. C'est ce que je pensais. Ohé, Mamie Pig, Papy Pig. Par exemple, bonjour, Madame Rabbit. Oh, à l'aide. Papy, aide-nous à descendre. Je vais vous aider. J'arrive avec une échelle. Youpi. Youpi. Tout le monde descend de la montgolfière. Mamie, Papy, Madame Rabbit nous a emmené faire un tour dans son ballon. Ça, c'est vraiment incroyable. Je suis désolée, la chose la plus incroyable que j'ai à vous offrir, c'est un morceau de mon gâteau au chocolat. Du gâteau au chocolat, c'est vraiment incroyable. C'était le plus beau voyage en montgolfière du monde. Ah. Hum, et c'était le meilleur gâteau au chocolat du monde. Les jours de brume. Aujourd'hui, Peppa et George vont à l'aire de jeu. Allons-nous à l'aire de jeu en voiture? Non, on va marcher. Oh là là, je vois l'aire de jeu d'ici. L'aire de jeu est toute proche. D'accord, marchons. Tout le monde me suit. Nous allons à l'aire de jeu. Nous allons à l'aire de jeu. Oh, le ciel, il n'est plus là. Ne t'inquiète pas, Peppa. C'est juste de la brume. C'est quoi la brume? La brume, c'est un nuage qui est descendu sur Terre au lieu de rester dans le ciel. Ouh. La brume est fort épaisse. Je ne vois rien du tout. Il vaudrait mieux rentrer à la maison. Oui, nous irons à l'aire de jeu un autre jour. Il fait trop brumeux pour trouver l'aire de jeu. Peppa et George doivent donc rentrer à la maison. Bon, où est la maison? Serions-nous perdus? Ne t'en fais pas, je sais exactement où nous sommes. C'est par là. Qui a planté cet arbre ici? Papa Pig a heurté un arbre. Est-ce que ça va, Papa Pig? Oh oui, très bien. C'est par là. Papa Pig, est-ce que tu sais où tu vas? Mais bien sûr que oui. Perdu, on ne retrouvera plus jamais notre maison. Bien sûr qu'on la retrouvera, Peppa. Nous sommes dans le jardin. Oh, les canards.
Avez-vous perdu votre mare? Nous sommes aussi perdus. Nous ne sommes pas perdus. Je sais exactement où nous sommes. Au revoir les canards. Bonne chance pour retrouver votre mare. Oh! Oh! Papa Pig a retrouvé la mare des canards. Quelle chance! Oui, c'est un vrai coup de chance. Papa, Madame Canard me demande de te remercier. Il n'y a vraiment pas de quoi, Madame Canard. Bon, il est temps de retrouver notre maison. Je suis sûr que c'est par là. Eh oh! Est-ce que vous avez entendu? Oui, j'ai cru entendre quelqu'un dire... Eh oh! C'est Maman Rabbit avec Rebecca et Richard. Bonjour Peppa, on est perdus. Bonjour Rebecca, c'est comme nous. On avait décidé d'aller à l'aire de jeu. Nous aussi, mais il y a trop de brume, alors on ne la trouve pas. Suivez-moi tous. Rentrons et attendons que la brume se dissipe. Papa Pig, est-ce que tu sais où tu vas? Mais bien sûr que oui. Suivez-moi, c'est par ici. Oui, oui Papa Pig. J'ai trouvé notre colline. Nous serons bientôt à la maison. Hourra! Notre maison devrait se trouver juste ici. Oh! Papa Pig est tombé sur une échelle. C'est étrange. Il n'y a pas d'échelle dans notre jardin. Nom d'un cochon. Tu vois où nous sommes, là, Papa Pig? Oui, je vois très bien où nous sommes. Papa, où sommes-nous? Viens donc voir. D'accord. Waouh! Waouh! Nous sommes à l'aire de jeu. La brume se dissipe. Nous sommes à l'aire de jeu. Chouette! Chouette! Nous sommes à l'aire de jeu. Nous sommes à l'aire de jeu. Youpi! Bascule, bascule. Papa, maman! Nous sommes à l'aire de jeu. Vous avez de la chance. Mais je pensais que nous voulions rentrer. Moi aussi. Finalement, nous nous sommes un peu perdus. Tous à la piscine. Peppa et sa famille sont à la piscine. Papa Pig a mis son maillot de bain. Maman Pig a mis son maillot de bain. Peppa a mis son maillot de bain. Mais allez, Georges, dépêche-toi, on t'attend. Georges a mis son maillot de bain. Peppa, Georges, laissez papa vous mettre vos flotteurs. Voilà, Georges. Tes flotteurs te donnent un air de grand garçon. À moi. Bon, nous sommes prêts pour aller dans l'eau. C'est la première fois que Georges est à la piscine. Ne t'en fais pas, Georges. On va essayer de mettre juste un pied dans l'eau. J'ai une idée. On va essayer avec l'autre. Peut-être que Georges devrait essayer de mettre les deux pieds dans l'eau. Quelle bonne idée. C'est très bien, Georges. Mais essaie de ne pas m'éclabousser. Ce serait gentil. Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère, Richard Rabbit. Bonjour Rebecca. Bonjour tout le monde. Richard, tiens-toi à cette planche et entraîne-toi à battre des jambes. Georges, aimerais-tu t'entraîner à battre des jambes? Bravo, mais n'éclabousse pas autant. Les grands enfants n'éclaboussent pas. On va vous montrer comme nous on nage bien. Quand Georges et Richard seront beaucoup plus grands, ils sauront nager aussi bien que nous. Ça va, Rebecca? Oui. Oh. Richard joue avec un arrosoir. Arrête ça, Richard. Oh là là, Richard a laissé tomber son arrosoir dans la piscine.
Oh, je suis désolée, Richard. C'est trop profond pour moi. Je n'arriverai pas à le récupérer. Maman! Je ne sais pas nager sous l'eau. Mais moi, je n'arrive pas à nager sous l'eau. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Youpi! Et voilà! Bravo, Papa Pig! Eh oui, je dois reconnaître que je suis bon en plongée. Oh! L'arrosoir, c'est un jeu pour les bébés. Moi, j'aimerais bien sauter du plongeoir. Navré, Peppa, les plongeoirs sont réservés aux grandes personnes. Oh! Ce n'est pas si grave. Vous pouvez toujours me regarder plonger. Tu es fou, papa. Ton ventre est trop gros. Mais non, j'ai remporté plusieurs trophées de plongeon quand j'étais jeune. Oui, mais il y a vraiment très longtemps de ça, Papa Pig. Heureusement que je n'ai pas trop changé, je suis resté fort et en forme. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Vous me verrez mieux en vous mettant au bord de la piscine. Papa, s'il te plaît, ne nous éclabousse pas. Mais non, ne t'en fais pas, je ne vous éclabousserai pas. Je crois que je vais plutôt sauter du haut plongeoir. Fais bien attention, Papa Pig. Oui, ne nous éclabousse surtout pas. Ne t'en fais pas, Peppa. Ne nous éclabousse pas, papa. Alors, est-ce que je vous ai éclaboussé? Bravo, papa! Quel splendide plongeon! Je n'ai pas besoin de ma serviette. J'utilise une méthode particulière pour me sécher. Oh! Papa Pig a éclaboussé tout le monde. Papa Pig! Je vous demande pardon. Le bureau de Papa Pig. C'est un jour particulier aujourd'hui. Peppa et George vont visiter le bureau de Papa Pig. Papa, qu'est-ce que tu fais à ton bureau toute la journée? Plein de choses amusantes. Tu verras. Voici le bâtiment où Papa Pig travaille. On y est. Youpi! Oui? Bonjour, c'est Papa Pig. Bonjour, Papa Pig. Je peux aussi appuyer sur le bouton? Bien sûr, Peppa. Oui? C'est moi. Bonjour, moi. Entrez. Mon bureau se trouve au dernier étage. Nous devons prendre l'ascenseur. J'ai pas appuyé sur le bouton. Je pense que c'est au tour de George. Appuie sur celui du dessus, George. Waouh! L'ascenseur emmène Peppa, George et Papa Pig au tout dernier étage. Waouh! Dernier étage, ouverture automatique des portes. Voici le bureau de Papa Pig. Bonjour tout le monde. Bonjour, Papa Pig. Bonjour, Papa Pig. Monsieur Rabbit et Madame Cat travaillent avec Papa Pig. J'ai emmené deux visiteurs tout particuliers avec moi aujourd'hui. Peppa et George. C'est un réel honneur. Bien, commençons la visite. Monsieur Rabbit, pouvons-nous commencer avec vous? Mais très certainement. Moi, je m'occupe de chiffres. Je prends une feuille de papier très importante qui se trouve dans ce bac. Ensuite, je prends mon tampon et puis je tamponne la feuille. Waouh! Monsieur Rabbit a un travail très intéressant. Je peux aussi tamponner? Oh, mais oui. Attends, je vais te trouver du papier. Mais il y en a ici. Nous ferions mieux d'utiliser une feuille vierge. Tiens, voilà. Peppa adore faire ce travail. J'aime faire le travail de Monsieur Rabbit. Allez, on continue. Allons observer le travail de Madame Cat. Miaou. Bonjour, Peppa et George. Bonjour. Mon travail consiste à dessiner des formes sur cet ordinateur. Waouh. Puis, à imprimer les formes. Je vais en imprimer une autre. Merci. Madame Cat a un travail très intéressant. Je peux essayer? Je pense que c'est au tour de George. C'est vrai,
prêt, Georges. C'est à toi de travailler un petit peu maintenant. Georges dessine des triangles bleus. Puis, on les imprime. J'aime le travail de Madame Cat. Voulez-vous voir mon bureau maintenant? Oh oui! Voici le bureau de Papa Pig. Je dois dire que mon travail est assez compliqué. Je prends des grands nombres, je les transforme, puis je calcule leur équation de la tangente à la courbe. Le travail de Papa Pig a l'air vraiment important. Est-ce que tu utilises un tampon? Non. Un ordinateur, alors non? Non, mais j'utilise des feutres de couleur. Papa, est-ce qu'on peut dessiner avec tes feutres? Bonne idée. Peppa et Georges adorent dessiner avec des feutres de couleur. J'ai dessiné une maison. Georges dessine un dinosaure. Georges dessine toujours des dinosaures. Dinosaures. Ça alors, il est déjà 5 heures. Il est l'heure de rentrer à la maison. Oh, waouh! Tu as dessiné une magnifique maison, Peppa. Et quel dinosaure féroce! Georges et moi, on fait le travail de papa. Et ils le font vraiment bien. J'aime faire le travail de Monsieur Rabbit et j'aime aussi faire le travail de Madame Cat. Mais ce que je préfère, c'est faire le travail de papa. Georges attrape un rhume. Il pleut un peu aujourd'hui. Peppa, Georges, mettez vos vêtements de pluie. Quand il pleut, Peppa et Georges doivent mettre leurs vêtements de pluie. Non. Georges n'aime pas mettre son chapeau de pluie. Georges, il faut que tu gardes ton chapeau. Pourquoi? Mais parce que tu dois rester sec. Pourquoi? Parce que sinon tu vas attraper un rhume. Pourquoi? Georges, as-tu envie de jouer dans le jardin? Alors tu gardes ton chapeau. Allez, viens, Georges. Peppa et Georges vont sauter dans des flaques de boue. Non. Georges n'a pas envie de porter son chapeau. Peppa, Georges. Rentrez maintenant, il pleut beaucoup trop pour jouer dehors. Oh, Georges, où est ton chapeau? Achou. Georges a attrapé un rhume. Achou. Oh, pauvre Georges, tu n'as pas l'air bien. Je vais appeler le docteur Brown Bear. Docteur Brown Bear, j'écoute. Je vois. Mettez Georges au lit. J'arrive tout de suite. Merci, docteur Brown Bear. Au revoir. Est-ce que Georges va devoir aller à l'hôpital et prendre des médicaments? Non. Georges doit juste aller au lit. Oh, ça veut dire que Georges n'est pas vraiment malade, alors? Bear, je suis toute mouillée. Pauvre Georges, je vais te mettre au lit. Georges, tu vas devoir rester un peu au lit. Non. Georges n'a pas envie de rester au lit. Georges, tu dois rester au lit jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Pourquoi? Parce que tu dois rester au chaud. Pourquoi? Parce que le docteur Brown Bear l'a dit. Bonjour, où est mon petit patient? Ouvre la bouche et dis ah. Georges est un peu effrayé. Peppa, toi qui es une grande fille, peux-tu montrer à Georges comment on dit ah? Mais bien sûr. Georges a juste un gros rhume. Est-ce qu'il doit prendre des médicaments? Non, mais il peut boire un bol de lait chaud. Il s'endormira alors beaucoup plus facilement. Merci, docteur Brown Bear. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Georges a passé toute la journée au lit. Maintenant, c'est à Peppa d'aller se coucher. Georges, tu te sens mieux? Georges ne se sent pas mieux. Georges, n'éternue pas si fort, s'il te plaît.
possible. Georges, voici une tasse de lait chaud pour mieux t'endormir. Le lait chaud endort Georges. Bonne nuit, mes petits cochons. Je suis bien, il fait si calme. Le jour se lève. Georges a très bien dormi. Georges se sent mieux. Tout le monde dehors, quelle magnifique journée. Georges porte son chapeau de pluie. Il ne veut plus attraper de rhume. Oh, Georges, tu n'as pas besoin de mettre ton chapeau. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud et qu'il y a du soleil. Pourquoi? Georges, tu veux bien arrêter de dire pourquoi tout le temps? Pourquoi? Georges va beaucoup mieux.